putain. Bon alors, hé, dis-moi Lola, tu préfères quoi? Hein, Lorraine, qu'est-ce qu'elle préfère, Lola? Mais attends, non, mais c'était pour Adrien. Adrien, excuse-moi. Adrien, bonjour, qu'est-ce que tu préfères? J'existe. Je connais cette théorie. La tristesse. Je connais cette théorie. Vas-y, alors. Donc. Mais non, il s'est rebooté. Et Nia, il a fait la musique de quoi aussi? De quel film? Les visiteurs, où il y a d'autres musiques de visiteurs comme OK. Non, qu'est-ce que c'est que ce beans? Pas avec le prochain. Alors Adrien, tu préfères quoi? Adrien, est-ce que tu préfères que chaque personne que tu regardes, elle meure instantanément? Ou que chaque personne que tu regardes te fout un monstrueux coup de genou dans les couilles? Ah, est-ce que tu préfères que les autres soient blessés ou que ce soit toi? Imagine, tu me regardes. Tu préfères que je meure ou que je te donne un coup dans les couilles? Imagine, tu vois Hitler. Ah oui, alors là, t'as les deux choix, moi ou Hitler. Wow, alors, je vais résumer. Vas-y. Est-ce que je pense que... le bien d'autrui est meilleur que le bien de moi-même? Ouais. Je sais pas. Attends, le coup dans les couilles, c'est quand les autres voient Adrien ou quand Adrien les regarde? Ah oui, bonne question. Quand il les regarde. Ah, quand lui il les regarde. Sinon, tu peux te balader avec truc sur les yeux. Bah, en fait, le truc, c'est que un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouais, du coup, je préfère que quand je regarde quelqu'un, on me donne les coups dans les couilles, comme ça, je regarde plus personne. Ah. Ou alors seulement quand j'en ai envie et genre ah vas-y donne-moi un coup dans les couilles, tu vois. Alors attends, c'est chaque personne que tu regardes qui meurt ou c'est tu peux décider qui meurt? Bah non, je crois que c'est dès que tu regardes c'est tu peux mort, pas décider quoi. Hein, non, sinon c'est trop simple. Ouais, moi je préfère qu'on me donne un coup dans les couilles, comme ça si je me trompe bah c'est de ma faute et puis voilà, tu vois. En vrai, tu te fais une ablation des couilles. J'avoue. C'est bon. Tu te mets une coquille sinon. Tu peux regarder les gens. Voilà, on est d'accord. Voilà. Il y a moyen de défier cette loupole. Ouais. Ouais, tu deviens Daredevil. Ah. Non, mais Daredevil, il se crève pas les yeux. Il y a des produits chimiques dans les yeux. Oui, ouais. Ah, voilà, j'ai répondu, c'était pas drôle. À toi, allez. Lorraine. Pour Lola. Non, mais là, pour... Pour la voix du monsieur. Oh, n'est-ce pas? Mais si, c'est l'écriture de la princesse Zelda. Voyons voir. Ce prince chevalier, là, c'est la voix de Zelda, là. Ah, pardon. Ah, merde. C'est quoi cette histoire? Encore un jeu de la princesse? Pardon. Ok, très bien. Je te laisse passer. Sois quand même prudent, proche chevalier. Waouh! Il est passé à la foire fouille, il a pris un peu d'hélium. Ah, la foire fouille, oui. Et c'était, c'était sur M6 à 20h30 quand il y avait ma famille d'abord qui t'avait. Enfin, proche chevalier! Si tu comptes t'attaquer au sommet du péril, équipe-toi de ton bouclier! Oh putain, c'est vrai! Ce volcan est en activité! J'ai oublié d'acheter un bouclier. Ah, si tu retournes au marché, va au bazar! Ils auront un bouclier pour toi! Il faut 80 rubis. Putain, on dirait un tarot! Dis bien que tu viens de ma part, ils te feront un prix. En échange, j'aimerais que tu me rendes un petit service. Tu n'es pas obligé, mais on ne sait jamais. Es-tu déjà allé à la foire au masque sur la place du marché? Tout le monde en parle. Mon gamin fait absolument un masque à la mode. Ouais, toi aussi, hein, ça te nique l'oreille, on est d'accord. Mais je n'ai pas le temps de m'y rendre. Pourrais-tu y aller pour moi? Encore une fois, rien ne t'oblige à me rendre ce service. Mon boulot est vraiment nul. Startup Nation. Waouh, le pauvre. Il a vraiment un boulot nul, quoi. Ouais. Tu veux pas aller acheter un truc au bazar? Non, vas-y, je m'en fous, je peux le faire sans le bouclier. Waouh, le mec. YOLO. Donc. Allez, mon truc préféré maintenant. Allez, le préféré. Alors, Lola, est-ce que tu préfères voir un poisson dans l'air ou voir un poisson dans l'eau? Ou voir un oiseau dans l'eau? Ah. Je veux voir des poissons dans l'air. Dans les deux cas, ils sont morts. Les poissons volants, c'est chouette. Ouais, c'est vrai. Moi, je peux rajouter un truc. Ça dépend. Parce que c'est pas à toi. Oui. Ouais, mais vas-y. Mais elle a répondu. Ouais, non, mais vas-y. Dans KOTOR, Knights of the Old Republic, le jeu de BioWare de Star Wars. Ouais. Et ben en fait, il y a une planète où il y a des grosses raies qui volent comme des oiseaux. Tu parles de raies, moi je dis oui. Oh. De raies de Charles? Ah bah ça dépend, la raie de qui tu veux. Hein. ouais.
Alors attends, là dans mon souvenir, il faut que j'aille parler à Darunia et après que je retourne à la forêt pour trouver le champ de Saria et après que je revienne ici pour lui jouer. Oui. C'est ça, hein. Oui. Mais il faut d'abord que j'aille parler à Darunia. Je crois. Mais non, mais de toute façon, tu peux y aller et péter des non, trucs. Je peux rien faire. J'ai pas le... Attention. Mais non. J'ai pas le... Le bracelet. La vie, c'est de la merde, de toute façon. J'ai pas le bracelet. Ah. Et pour avoir le bracelet, faut que Darunia, faut que je joue le chant de Saria à Darunia. Et pour avoir le chant de Saria, faut que je joue le chant de Saria. Darunia Sunstorm. Exact. À toi encore. À moi. De quoi? De. Hein? Tu préfères? Lorraine qui est toujours. Tu préfères ou moi je le fais pour quelqu'un? Tu fais le pour toi. Fais le pour toi. Pour moi. Bah oui. Bah est-ce que je préfère parler trop fort, les gens se bougent tout le temps les oreilles, ou avoir des oreilles de 20 cm de diamètre? Ah. De 20 cm. Ah le fameux. Oui. Je connais. Ah non. Je sais pas, moi, si j'ai droit à de la chirurgie esthétique, je veux bien avoir des oreilles de 20 cm de diamètre. Ok, non, c'est faire. Ouais, j'avoue. Parce que je préfère ça que faire chez les gens, tout. En fait. Ouais, il est où le feu? Oh, moi j'aime bien faire chez les gens. Bah ouais, mais tout le temps. Ah, mais attends, j'ai déjà le chant de Saria, non? Ah, bon, non, ouais, je connais. Si, je crois. Ah, non, t'as la berceuse. Non, mais d'abord, il faut que t'allumes tout. Ouais. Allumez le feu! Il est où déjà le. Ouais. Il est où déjà le... En haut, le feu-feu. Le feu-feu, il est en haut, et après tu descends, puis tu fais fou. Foufou, le feu-feu. Encore. Attends, j'en cherche des biens, il y a que des trucs nuls. Bah oui. Il faut que tu cibles une personne qui doit répondre, et les autres, ils disent après, ils le jugent. Ouais, j'avoue. Viens, on se juge. Ouais. Quoi? Allez, on fait le judgment challenge. C'est quoi? On se juge raid. J'ai pas compris. En gros, c'est genre le nouveau challenge du buzz d'internet. Ah, après le Momo challenge? C'est ça, là maintenant on se juge. Alors qu'on sait tous que le Momo challenge au final qui est. C'est Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron qui était derrière. Quoi? Bah, tu sais pas. Ah, il sait pas. C'est Emmanuel Macron qui est derrière le Momo challenge. T'as pas regardé Momo challenge au reveal par bord l'éléphant? Ah, bah non. Ah, bah voilà. Bah, tu sais que moi je dis pas bord l'éléphant. Ouais, t'as raison. Parce qu'il n'y a pas d'accent, hein. C'est Babord les félins. Oui. Ouais. Il n'y a pas de feu-feu ici. Bah, il est où le feu-feu? Faut pas faire un truc pour qu'il y ait le feu qui s'active. Mais je me demande s'il faut pas parler à l'un des mecs, justement. Ah, ouais. Attends. Ah. Alors, il y a la lave. Non, moi, non. Oh putain, j'ai pas le champ du temps encore. Tu préfères? Ouais. Mais laissez-la, elle prend son temps. Il est où notre fil rouge là? Parle à un goron, peut-être il pourra te dire quelque chose. Peut-être que, ouais, y en a un qui pourra me dire où est le feu. Adrien, tu fais les gorons? Ouais, vas-y, Adrien, fais les gorons. Par hasard. Donc là, c'est un petit, hein. C'est un petit goron. C'est un petit goron. Oh, et j'ai faim. Tout le monde crée la dalle ici. Bah, ça, je pense que c'est facile. Nous sommes devenus une race en fois à l'extinction. Tu préfères nous protéger. On ne peut plus entrer dans le cœur de la caverne d'Odongo. Notre cœur de magie. On doit de base se contenter de gravier. Et ça, c'est dur comme. À la fin, tout est délicat. Sont dans le cœur, dans le cœur. Mais c'est de l'histoire ancienne. Le mec le plus relou avec qui parlait dans la rue. Tu t'es balayé de plein gourmet. Mais un petit temps, ton compte, On comprend pas quand tu parles. Y'a plus aucun mot qui sort de ta bouche. Je me taperai bien. Un gigot de caillasse de la caverne d'Odongo. On aurait presque cru du cabrel. Pas mal. Allez, vas-y, Lorraine, tu peux dire ton tu préfères maintenant. Pardon. Alors, pour qui? Mais j'avais tellement pas compris ce que faisait Adrien. Moi non. Je crois que non plus. Personne en vrai. Ouais, mais, voilà. Hein, voilà. Je comprends. Dans le doute, moi je laisse toujours Adrien aller si tu veux. Ouais, oui. Au bout d'un moment, faut le stopper. Non. Alors, c'est pour qui mais tu préfères? Bah, c'est à toi de choisir. Bah, j'avoue, vas-y. Pas, bon, de toute façon, il est facile celui-là. Ah. Être dans un ascenseur qui pue l'œuf pourri et tout le monde sait que c'est toi qui as pété. Ah non. Ou roter en plein repas de famille quand il n'y a pas un bruit. Ah, roter. La première, ça veut rien dire, je suis désolé. C'est. T'es dans un ascenseur qui pue. Mais est-ce que c'est toi qui a pété pour autant? Bah, c'est là, c'est, tout le monde sait que c'est toi qui a pété. Ah, joue la truc de Zelda devant la porte. Putain, oui, t'as raison. Merci. Celui-là, je l'aime bien. Putain, merci Lola. Vas-y. Quoi? Non, maintenant? Ouais. Ok. Tu préfères avoir les dents qui font de la musique quand tu manges ou entendre ding à chaque fois que tu clignes des yeux? Ah non, les dents qui font du bruit et quand je mange.
Ah ouais, c'est vachement bien. Mais alors, c'est quand tu manges ou quand tu serres les dents? Quand tu claques les... Genre, tu sais, quand les dents entrent en contact. Non, je pense que c'est quand tu manges. Juste quand tu manges, ça fait du bruit. Ça fait de la musique. I want you in my room. Let's spend the night together. Together in my room. Voilà. Voilà. Le feu! Ça brûle. Fais péter les trucs avec les bombes. Les choupéters. Waouh! Waouh! C'est beau ce qu'il nous fait, le Linkounet. Il tourne. Ouais. Et pourtant. Que la montagne est belle. Non, et pourtant il tourne. Ah. Tu sais, c'était Galilée qui avait dit ça. Oui. Ah, c'est allez, bon. Vas-y, Lorraine, c'est le dernier épisode. Tu peux partir dans. Non, mais tu. Vas-y, tu ouais. peux partir dans les foires. Ouais. Parce qu'il y en a des trash, hein. Ouais. Non, mais alors, trash quand j'ai même. J'ai peur. Trash marrant, hein. Pas trash genre glauque, vraiment genre. Ouais, ouais. Comme. Bah. Tout à l'heure, on en a eu un sympa. Ah, il faut que j'ai les deux, je crois. Bah, celui-là, ouais. j'ai pas le faire, du coup, celui qu'on a eu tout à l'heure. Non. Il était un peu trop trash. C'est juste que c'était. Ah, c'était un truc avec des enfants. Ah. Ok. Ah oui. Moi aussi, hein. Ah, vas-y, Lorraine. Et on répond tous. Ouais. Attends. Non, on réfléchit. On fait 3, 2, 1. Ah ouais, et on répond. Dit le... Ok. Ok. Tu préfères t'appeler Joseph, j'ai de grosses couilles, ou t'appeler Hubert, je t'emmerde, connard. 1, 2, 3. Joseph, merde, connard. 2 contre 1, désolé Adrien, tu perds. Tu es comment ça, je perds? Moi, j'ai dit grosses couilles. Vous êtes pas original. Eh, Adrien, tu fais Darunia? Eh, vas-y, fais Darunia. C'est débile, quoi. Attends, c'est ça. Adrien, vas-y, Adrien. Ah, attends. Vas-y. Quoi? Qui es-tu? C'est toi qui as joué le chant de la famille royale. Mais tu n'es pas un messager. Tu n'es qu'un abo avec un chapeau vert. Narunia, le chef des Gorons, mérite plus de considération de la part de son frère de clan, le roi des rôles. Le mec, c'est un coq. Alors là, je suis furax. Oh là 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 là. Alors ici, le gnome. La colère. Ah, gros. Ah, scrogneux. Tu me demandes pourquoi je suis si furieux. T'es mignon, toi. Écoute. Des monstres infestent notre caverne Dodongo. Notre récolte de choupeteurs est minable. On crève tous de faim par ici. Il n'y a plus qu'un rocher mochable. Je... Parti sans pain et sans fruits. Mais... ça pour les funérailles du roi Lot mordant son lit. Mais... c'est notre problème. Ah voilà. Ce ne te regarde que les Gorons. Okay. Voilà. Waouh. Eh ben merci Darunia. Bah là, avec ces belles paroles un peu. Un peu sectaire. Un peu sectaire, ouais, on va dire. Mais il y a un mais. Ouais. Dans le château là-haut. Il s'ennuie. Non. Pardon. Arrêtez, parce que moi aussi après je suis en train. Mais oui, mais. Moi j'ai un dernier. Tu peux Vas-y. Allez, pour clôturer. Ça que j'ai dit. Préfères... Il intérêt être ouf. Hein. Éjaculer du caca ou éjaculer de la fondue savoyarde? Fondue savoyarde. Attends, la fondue savoyarde c'est pas avec les lardons? Non. La fondue savoyarde c'est avec quoi? C'est juste du fromage. Avec du pain. Il y a que du fromage. Ah, c'est que de la fondue. Ah, c'est la fondue. Mais c'est juste un peu chaud. Est-ce que ça change vraiment tout pour toi, qu'il y ait des lardons ou pas, par rapport à du caca? Si tu jutes des lardons, il y a des morceaux, ça risque de faire mal. Oui, mais la fondue savoyarde, c'est brûlant. Oui, non, à la limite, mais d'accord, ouais. Mais les lardons, ça va, il c'est un peu con. Mou. Quoi. Les lardons, les oignons, enfin, tu vois, ça dépend, ça des trucs. Chlac, un bout de pain. Rien que des patates, tu vois, genre, ouais, j'avoue, tu sais, une baguette par l'urette, ça fait mal. Hein. Bah, bien sûr, une baguette, c'est gros. Ouais. Bon, bah, écoutez, prochain épisode, on va chercher le champ de Saria et puis on va revenir voir Darunia. Oui, enfin, il était quand même un peu. Ouais, mais bon. Mm. Faut le calmer. Il faut lui apprendre la beauté de vivre ensemble et lui apporter en fait quelque chose de notre culture pour lui montrer que justement on peut lui apporter quelque chose culturellement et il peut s'ouvrir à nous. D'accord, des échanges. Ok, là. Voilà. Cosmopolite. Exactement. Adrien, un mot pour la fin, toi aussi? Non. Ok, super. Lola? Non, c'est moi, Lola. Lorraine. Salut, c'est moi. Pardon, excusez-moi. C'était un peu bancal. Lorraine? Non, écoute, c'est. Le même qu'Adrien, donc. Ah! Pardon. Et Garance, un mot pour la fin?
T'as raison. Allez. Bon, et ben, bonne nuit et à demain. Ou après, un jour, je sais pas.